arrêter. À se demander où ce soir elle va pouvoir coucher. Vivons dans le froid, tout est permis. Mais la ville n'est pas si simple, malheureusement pour lui. Et sans aucun... personnes qui sont là depuis le début, donc merci d'avoir partagé et communié avec nous pour cette 35e édition de la fête de la musique ici à l'hôtel de Matignon. Alors on parlait un peu des pouvoirs de la musique, il se trouve que là notre dernier invité a un vrai pouvoir chamanique, magique, peut-être de connexion privilégiée avec les esprits, mais c'est surtout une voix rare, une voix avec des qualités de timbre, de technique absolument bouleversantes. Et justement, en écoutant Manu Katché, je me disais, mais Nolwenn Leroy, pour ne pas la citer, a remporté la Star Academy en 2002. Et Manu Katché, qui était dans le jury de la Nouvelle Star, est arrivé 2 ans après en 2004. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui serait advenu d'une rencontre entre Manu Katché jury et Nolwenn Leroy du côté des chanteuses. Alors Nolwenn, dans sa voix, il y a toujours un petit côté raz-de-marée. Quand je dis ça, c'est pas du tout pour faire référence à ses origines bretonne, pas du tout, c'est pour dire que depuis 2003, c'est un raz-de-marée discographique, 2003 année son premier album, et un épisode qui continue de me faire sourire. Il se trouve qu'en 2003, aux États-Unis, un professeur de neurologie sur une chaîne américaine avait réussi à émettre l'hypothèse, preuve à l'appui, que la voix de Nolwenn Leroy apaisait certaines lésions neurologiques et qu'il avait trotté Mozart pour la voix de Nolwenn Leroy. Et il se trouve que comme les États-Unis n'est pas le pays le plus confidentiel, à la suite de ça, il y avait eu un véritable raz-de-marée discographique. Alors au-delà de cette anecdote, je finirai sur ces mots pour vous dire que le pouvoir de la voix de Nolwenn Leroy est absolument réel. Donc si vous êtes d'accord pour vous faire gourouiser, marabouter, envoûter, hypnotiser, je vous demande d'applaudir avec frénésie et hystérie Nolwenn Leroy. Ouais. On suivra le chemin jusqu'à...
Tu ne sais rien de mon existence.
Comment allez-vous, chers amis, parisiens et parisiennes, et des villes et villages alentours, et banlieues alentours, et faubourgs alentours. Après la fée Mélusine, la fée des lacs, des rivières et des ruisseaux, voici maintenant le terrible David Jones, l'âme damnée du fond des océans.
prochaine chanson est une chanson qui s'appelle Safe and Sound, que j'avais écrite sur l'album du Cheshire Cat et moi avec une amie, auteure, compositeur, interprète américaine, qui s'appelle Jonasa Brooke. Et tu as quelque chose à rajouter, Yoann? Vas-y. Non mais vas-y, parce que moi je parle toujours trop. Donc maintenant je vais vous faire parler, les gars, en fait. C'est pas mal. Ça peut être pire ou ça peut être pire. Non, c'est que vous parlez presque plus que moi en plus. Cette chanson, c'est une jolie berceuse qui s'appelle Safe and Sound.
courage. Comme toi tu le fais, car je sais que tu vas nous quitter, mon ange. La vérité étrange de ton sourire illumine mon été. Je sais que tu vas nous quitter, mon ange. Et si loin de moi t'envoler, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des Bretons ce soir? Oui. Forcément, on est à Paris. Je commence à me dire qu'il y a plus de Bretons à Paris qu'en Bretagne, en fait. À force, hein. C'est ce qui va se passer à un moment donné. C'est avec ce truc des régions et tout, maintenant, bon, clairement, on inverse les régions, là. Les Bretons de Paris sont là. Oui. Il y a des gens du Morbihan. De l'Ille-et-Vilaine. Oui. Qu'est-ce que tu dis? De Vendée. Oui. Robert, tu veux faire des histoires, là? De Nantes? Oui. Et du Finistère, bien sûr. Ouais. Alors, c'est justement ce qui me lie. Oui, les Côtes d'Armor, mais oui, Guingamp, bien sûr, Saint-Brieuc, bien entendu. Vous êtes d'où dans les Côtes d'Armor? Ah bah, pardon, comment on peut... Oh, j'ai oublié les Côtes d'Armor, non, non, mais cool pas. Donc, moi, je vais vous parler du Finistère, parce que j'ai vécu à Guingamp, et je suis née là où... À Saint-Renan, absolument, mais Saint-Renan, c'est près de la ville qui me lie à celui qui a écrit et composé cette chanson. Magnifique. Je vais vous emmener faire un petit tour là-bas, très loin, là où il fait beau, où il ne pleut pas, comme à Paris. Au bout de la terre, dans le Finistère, à Brest, même. Tonnerre, tonnerre de Brest.
J'ai mon doigt qui a rippé. J'ai rippé. Ça arrive à tout le monde, même le jour de la fête de la musique. Merci beaucoup. Et je remercie Miossec de m'avoir laissé reprendre cette magnifique chanson qui nous lie sur l'album Breton. Voilà, merci, Christophe Miossec, de Bresse même. Alors maintenant, c'est une chanson que nous ferions vous aussi. Tu parles du temps qui passe trop vite. Parfois, on aimerait arrêter le temps. Un peu comme ce soir. Il fait beau, on est bien, on est pas mal installé. Et en sécurité. Plus que jamais. On aimerait rester encore, tous ensemble. Il me semble que le thème de la soirée ce soir, c'est
La musique plus forte que... En suspension. La musique plus forte que... Que la pluie. Ça, c'est sûr. Que la peur, que la menace. La musique rassemble. C'est ça, la musique. La musique adoucit les peines. Voilà, pour moi, la musique, c'est un peu tout ça. C'est universel. Et savez-vous, j'avais envie de célébrer cela ce soir, et je trouve que c'est une très belle phrase. On en avait besoin, on a besoin de musique. Juste pour me souvenir, alors, de cette phrase. Sous l'océan fou.
sommes en petit comité, mais tout le monde chante très fort et très juste et très bien. Bravo, merci beaucoup. Donc, ils veulent pas, hein. Pourtant, nous sommes observés. C'est un carreau, hein. Tout le monde chante bien et tout. Ça vous dirait de danser un peu? Oui. J'aimerais bien parce que là, il n'y a pas trop de cascade à faire pour vous rejoindre. Et je me disais que c'était... Est-ce qu'on le tente? D'habitude, on danse une gigue. Oui, bah forcément. Tout breton qui se respecte dans sa gigue, n'est-ce pas? Alors, dans mon idée, nous pourrions danser la gigue ensemble, tout simplement, dans la cour de l'hôtel de Matignon. Et moi, je trouve quand même que ce n'est pas commun. Et j'ai envie de le faire. Thank you.
Jusqu'ici tout va bien. Et bien je crois qu'on s'approche. Oh non. Non, 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 non.
Oh non. Non mais moi faut pas m'inviter parce que moi je peux squatter l'ambiance jusqu'à 4h du matin, il n'y a pas de souci. Hein. En plus là je crois que les voisins en plus c'est que des gens d'ici qui travaillent, donc c'est des bureaux. Donc on fera même pas de tapage nocturne. Non, moi je pense qu'on peut gratter 1 ou 2 heures quand même. Hein, hein. Je dis ça, je dis rien. Je vais monter voir. Non, cette chanson s'appelle 6e continent. Une chanson écologique sur ce grand continent de déchets de plastique au large océan Pacifique. Et j'avais regardé, j'avais vu en fait un reportage là-dessus et j'ai trouvé ça terrible, abominable. Et tous ces oiseaux qu'on retrouvait avec le ventre plein de plastique. Et puis voilà. Donc ce qui m'a inspiré une chanson, j'imaginais cette pauvre sirène toute seule sur son petit rocher entourée de plastique. Et cette chanson s'appelle 6e continent. Thank you.
Merci beaucoup. Alors j'aimerais en profiter pour remercier quand même, avant de nous quitter, mes musiciens sur scène, à mes côtés ce soir au clavier. Je vous demande d'applaudir mon ami Johan Dalgarde. Ouais. Sublime. Ah oui. Voilà, fidèle à toi-même, quoi. Fidèle. Oh, Pibiline, à la flûte, à la grosse flûte, à la très grosse flûte, à la moyenne flûte, au flutio. Et oui, je vous demande un tonnerre de Brest d'applaudissements pour mon copain. Grande première ici à Matignon, comme ça, dans la cour de l'hôtel de Matignon. C'était l'occasion pour que notre ami Robert Le Gall vienne nous rendre visite, parce que c'est le grand retour ce soir. Nous fêtons la musique, mais nous fêtons également le retour de super sublime Robert Le Gall. Je vous demande d'applaudir. Et donc venu avec son fan club. J'aimerais remercier l'équipe technique, Sébastien Darbato, son. Merci beaucoup, au retour. Merci. Infiniment. Et puis, pour finir, j'aimerais remercier toute l'équipe de Matignon, toutes ces personnes délicieuses qui nous ont accueillis aujourd'hui, avec qui nous avons eu la chance de déjeuner, de discuter, qui nous ont fait visiter un peu la baraque. Et puis, voilà, c'est une très belle maison ici. Et quand je dis maison, c'est tout le personnel, toutes les personnes qui participent à ce que cet endroit soit aussi magnifique et puissent nous recevoir aujourd'hui ici, tous ensemble, et fêter la musique dans cette cour de Matignon ici. C'est quand même assez magique de mettre l'ambiance ici. Bon, on aurait pu faire pire, hein, on reste calme quand même ce soir. On va casser les pavés et tout. Non, franchement, c'était vraiment une journée extraordinaire et je suis très, très honorée d'avoir été invitée par toute l'équipe de Matignon, Monsieur le Premier ministre, bien sûr, ainsi que mon amie de toujours, ma professeure de violon, et oui, Anne Gravoin. Merci. Bravo. Tous. Monsieur le Premier ministre, Manuel Valls, merci. Bon, alors, on se fait une petite dernière quand même en partie. Oui. On a le droit ou on n'a pas le droit? Oui. Parce qu'on est à Paris. Je suis obligée de chanter Je ne serai jamais ta parisienne, forcément, pour tous les Bretons expats. Ce n'est pas pour croiser le fer.
son sang, qui voit Molène oublie sa peine, qui voit ça n'a plus peur du lendemain, qui voit le frondeur entrevoit le bonheur. J'aimerais tant que tu me comprennes, je ne serai jamais ta parisienne. J'aimerais tant que tu comprennes qu'ici ma place n'est pas la mienne. J'aimerais tant que tu me comprennes, je ne serai jamais ta parisienne. J'aimerais tant que tu comprennes qu'ici ma place n'est pas la mienne. Merci. Merci à tous. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de chanter sous la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Moi, vous voyez, pendant les chansons, ça m'a fait réfléchir. C'est vraiment une merveille cette journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fête de la musique à tous. Prenez soin de vous. Passez un bel été. Bravo. Merci à tous pour l'accueil. Merci les amis, Kéro, on chante. Live, oui. En première ligne.